l'exposition ne coûte pas un centime à la ville de Paris. Le chantier a duré 2 ans pour produire les très grands formats, puisque je n'ai pas fait les choses à moitié. Je me suis dit, on va faire des chats de 2 mètres de haut. C'est comme ça. Et puis, on va les mettre sur des socles de 70 cm. Ça fait des objets de 2 mètres 70. Dans l'espace public, ça aura de la gueule. Passer à la sculpture, ça s'est fait il y a très très longtemps, puisque dans mes premiers travaux, dans mes premiers dessins, même dans mes premières peintures, dans les années 70, j'incluais des parties en 3D, je sculptais un personnage, j'ai toujours sculpté, j'ai toujours abordé la 3D, mais une fois que j'ai commencé à dessiner le chat, après 1983, je me suis mis à en faire d'abord un buste, et puis une sculpture, et puis une vraie sculpture importante pour l'exposition aux Beaux-Arts en 2003, c'était le chat en disque commun. Alors le martyr du chat, inspiré du martyr de Saint-Sébastien, c'est une statue hommage à mes confrères et amis assassinés. Il y a une tournée qui est prévue. Après Paris, nous allons à Bordeaux, où l'exposition va inaugurer la fête du vin au mois de juin. Elle va rester 3 mois ou 3 mois et demi à Bordeaux. Et puis ensuite, elle ira à Caen. Et ensuite, dans le désordre, on devra aller à Marseille, à Milan, à Genève, à Mulhouse, à Luxembourg. Et puis, finalement, en 2024, à la fin de la tournée, revenir en Belgique pour terminer à Bruxelles au moment de l'inauguration du musée du chat.